on réouvre la grotte, Napoléon III, il donne l'autorisation, mais il faut quand même que l'Église, elle statue sur la véracité de ces, ouais, de ces apparitions. Apparition ou... Ben oui, on peut pas juste réouvrir un lieu parce qu'une jeune fille a dit qu'elle a vu une chose blanche dans une grotte, quoi. Enfin... Oui, je suis d'accord, oui. On peut pas réouvrir une grotte pour ça, hein. Non. On peut pas réouvrir quoi que ce soit, d'ailleurs. Les acteurs n'attendent que ça, aujourd'hui, et trépignent d'impatience de réouvrir. Non, je t'ai dit, on peut pas réouvrir. Non, ça n'existe pas comme mot. Le mot qui existe, le mot qu'on utilise, c'est rouvrir. Un exemple qui prouve que rouvrir une ligne abandonnée depuis des années, c'est possible. Voilà, ça c'est possible. Mais réouvrir, c'est un barbarisme. Ah oui, un mot pour les barbares, quoi. Non, un mot qui n'existe pas. Un mot déformé. Et là, en l'occurrence, réouvrir est un mot déformé à partir d'un autre mot qui existe, celui-là, réouverture. Une réouverture au goût amer. Eh oui, on dit réouverture, mais on dit rouvrir, c'est comme ça. Ah bah j'ai jamais dit que c'était facile comme langue, le français. On peut envisager que les lycées réouvrent. Non, on peut pas. C'est impossible à envisager. En revanche, ça c'est possible. Un groupe en difficulté donc qui vient pourtant de rouvrir une boutique à Calais. Voilà, t'as compris ? Là on sait qu'on réouvre, mais pour combien de temps, on sait pas du tout. Non, on réouvre pas. On fait quoi ? Les petits musées en revanche pourront rouvrir leurs portes. Voilà. On peut rouvrir les portes. Et quand on rouvre, c'est quoi ? On attend avec impatience cette réouverture. Eh oui, quand on rouvre, c'est une réouverture. On dit réouverture, mais on dit rouvrir. Comment ? Pour quelle raison ? Ah ben, il n'y en a pas de raison. Non, il n'y a rien qui empêche de dire réouvrir. C'est juste que ça se dit pas, c'est comme ça. C'est bien pour ça que je te donne ma langue, qu'est-ce que tu crois ? Rock and roll music anyway.